Ce fut une longue visite de 6 heures d'horloge que le chef de l'État burkinabé, Blaise Compaoré, a rendu ce mardi au président de la République, Alassane Ouattara, rentré dimanche de soins médicaux administrés en France. Geste d'amitié et de soutien que le président de la République a accueilli avec gratitude. Monsieur le président, je voudrais vous dire un très grand merci. Et merci encore pour toutes les attentions dont j'ai été l'objet de votre part et de la part de Mme Compaoré, qui est venue me rendre visite à l'hôpital américain. Et c'est véritablement un geste de fraternité, de solidarité, que Mme Ouattara et moi, nous avons particulièrement apprécié en son nom. Et au nom de toute la famille Ouattara et de, bien sûr, tous mes compatriotes, je voudrais vous remercier de votre disponibilité, de votre gentillesse, et vraiment vous dire, Président, que vous êtes notre frère. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Merci. Merci. Bien sûr, cher frère, je dois redire le grand bonheur qui a été le mien ce soir de pouvoir vous retrouver en pleine forme. Merci. Et surtout après cette épreuve douloureuse, car rester dans un hôpital, même quand on n'est pas malade, c'est douloureux. Et donc je dois vous dire que nous avons été très heureux de vous retrouver, mais surtout de voir l'enthousiasme avec lequel le peuple ivoirien s'est mobilisé pour vous accueillir au retour de la France. Cette visite a été mise aussi à profit par les deux chefs d'État pour échanger sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment les projets à réaliser dans le cadre du traité d'amitié ivoiro-burkinabé, les questions d'ordre politique et économique relatives à la sous-région ouest-africaine et à la CEDEAO et le partenariat Afrique-Union européenne. Les deux chefs d'État se sont donné rendez-vous fin juillet à Ouagadougou pour le sommet d'amitié Côte d'Ivoire, Burkina Faso.